vous suivez le grand zapping. C'est encore mieux le dimanche. Vous l'avez bien compris, nous sommes avec Dao Gabala Mariam dans la rubrique, bien sûr, Allô la star. Alors, d'accord, on vous laisse une minute, vous deux, toi et ta maman. Ok. Bon, maman, c'était pour te dire bonne fête d'Hermès. C'est vraiment merveilleux, agréable. Il n'y a rien de plus beau qu'à voir une mère comme toi. Merci. T'aimes très fort, mes petits potis t'aiment très fort. Et tu es dans notre cœur à tout jamais. Merci, merci beaucoup. J'ai été une mère très sévère, mais je l'ai été pour vraiment le bien des enfants. Hein. Et la petite anecdote, je leur achetais jamais de pistolet. Depuis qu'ils sont petits. Ah, je me rappelle de ça. Oui, mais c'est exprès que j'achetais pas des pistolets pour les enfants. Voilà, je voulais pas qu'ils se... Il s'habitue. Non, je voulais pas qu'il s'habitue en fait à la violence et à la guerre. Tout à fait. Alors ta maman nous disait qu'elle te chicotait, c'est vrai? Non, lui, elle, je l'ai pas beaucoup chicoté. C'est le troisième. Troisième. J'ai chicoté Idriss et puis j'ai chicoté Rachid. Non, maman, rappelle-toi, tu nous as poursuivi une fois avec ta chaussure. Ah, je vous ai poursuivi avec ma chaussure. Ah bon, d'accord. Est-ce que je t'ai eu? Non, si, on pourrait trop vite. Il était au courant de la vie. Miss Côte d'Ivoire 2017 à cœur ouvert. Alors si vous nous rejoignez, vous suivez cette émission spéciale, n'est-ce pas, avec Miss Côte d'Ivoire 2017, Bani Mandjalia. Alors on revient à notre échange. Alors depuis un an que tu as porté fièrement cette couronne, comment tu t'es sentie, Mandjalia? Bien. Ouais. Bien, c'est un peu stressant parce que c'est quand tu deviens Miss Côte d'Ivoire, c'est une grosse responsabilité. Mmh. Donc ça va, j'ai géré. Tu as su gérer. Mais ouais. Comment tu organises tes cours? On sait que tu vas à l'école encore. Oui, Tu nous rappelles un peu ce que tu es devenu après l'année dernière? L'année dernière, tu étais en... J'étais en deuxième année de gestion commerciale. Donc dès que j'ai été élue, après j'avais mon BTS à passer. Tu l'as passé? J'ai passé mon BTS, j'ai obtenu mon BTS. Si tu n'as pas, obtenu ça, on aurait pas parlable ici. Et là, je suis en stage. Ouais. De validation. Ouais, ok, parfait. Ouais. Alors, comment ton entourage te voit aujourd'hui? Ceux qui, au départ, étaient peut-être sceptiques Tout le monde est fier de moi. Tout le monde est fier de moi aussi. Ouais. Surtout les parents, la famille. Oui, ma mère, elle est trop fière de moi. Ange est mort. C'est vrai, hein. Je saisis la balle au bon pour te poser cette question. Dis-moi, tu fais partie de la membrane du Burida. Tu es au Burida. Quelle est la solution? Quand je sais que tu étais à Paris, à Ripa, il n'y a pas longtemps de cela, avec le PCR du Burida, oui. Qu'est-ce que vous avez décidé pour endiguer ce fléau, pour lutter contre la piraterie? Bon, on essaye comme on peut, hein, mais d'une chose est sûre, c'est que le Burida tout seul ne peut pas. Oui. Parce que c'est quelque chose de très important, la piraterie. Quand on en parle, les gens, bon, ils se disent, bon, les gens vendent des trucs au Carrefour, on paye 1000 francs, mais c'est rien. C'est pas rien. Parce que vous imaginez quelqu'un investit des centaines de millions parce qu'on a l'impression que ça coûte rien un album enregistré. Ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Entre les studios, les artistes, les musiciens qu'il faut payer, les la promo et tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Donc, vous avez fini de dépenser cet argent-là. Et puis, quelqu'un qui vend ça à 1000 francs à la rue, là, tranquillement, on a l'impression que c'est rien, mais c'est très important. Alors nous, le Burida seul ne peut pas faire le combat contre la piraterie. Il faut la population doit s'impliquer. S'implique. Place publique. Madame, monsieur, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les locataires. Désormais, 2 mois de caution, 2 mois d'avance. C'est bien, c'est une bonne chose, c'est vrai. Mais il faut que ça soit appliqué. Parce que je me souviens, quoi, dans un passé récent, ils avaient dit ça, que les locataires et les propriétaires exagèrent. Il y en a qui demandent 10 mois, d'autres 1 an. Et ils ont pris cette mesure-là. Mais sur le terrain, là, il faut qu'ils mettent des gens là-bas. Quand quelqu'un va, si une personne va louer une maison comme ça, que ceux qui ont fait cette loi les accompagnent là-bas. Parce que sur le terrain, c'est autre chose, hein. Il ne suffit pas de voter la loi, il faut qu'ils veillent à ce que ça soit pratiqué, que le propriétaire n'exagère pas. Il faut qu'ils veillent à ce qu'elle soit appliquée. Qu'elle soit appliquée réellement, concrètement sur le terrain. Parce que sur le terrain, c'est autre chose. Hein. Sinon, c'est une justement, bonne loi. Est-ce que ce n'est pas l'envie pour les locataires d'avoir des logements? Parce que souvent, il y a cette envie-là, cette forte envie d'avoir une maison. Que, voilà, on se laisse piéger par
Oui, c'est parce, qu'ils sont méchants. Souvent, c'est des cuisines. Et puis, selon les quartiers, ils vendent le nom des quartiers. Il y a des fois, on te dit quartier, oh là là, tu crois, les grands quartiers. Tu suis avec moi, suis mon regard. Une petite pièce, quand ça ne fait même pas 10 mètres carrés, on te dit 150 000, 200 000. Tu vois, puis il y a des gens aussi qui aiment vivre au-dessus de leurs moyens, ou bien qui veulent vivre dans les grands quartiers qui sont complexés. Ils pensent que quand on vit en haut, là-bas, là, au nord de d'Abidjan, c'est là qu'on est grand type, ça ne veut rien dire. Et ceux-là aussi, ça c'est bien fait pour eux. Ouais. Mais les propriétaires, là, écoutez, moi, en tant que président de la FIL, écoutez ce que le gouvernement a fait. Merci. Prenez 4 mois seulement, n'allez pas jusqu'à 10 mois. Les matins d'Isaac. Isaac, quand vous draguez les femmes, là, hein, vous avez une phrase que vous aimez bien dire quand tu es fond d'une go, là. Ouais, je veux que tu sois la femme de ma vie. Il y a une autre phrase là. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Répétez. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Ouais. Ah, d'accord. Moi, ça te demande le joy, c'est quoi même. Non, attention, la mère de mes enfants, ça veut pas dire ma femme non plus. Hein, donc, Je n'en dis combien pas. Sauf que bon. Mais une grossesse, ça ne se prend pas en crachant. Tu ne craches pas sur la femme et puis elle tombe enceinte. Aujourd'hui, je vais parler des hommes. Mm-hmm. Qui négligent leur femme, qui fuient leur femme, tu me laisses. Sponsor, Tano et Ivan, le nouveau là qui est venu là. Il aime ça. Mmh. Tano et Ivan qui est appelé maternel, lui et son frère. Ils sont là-bas. Voilà. Qui ne savent pas s'occuper de leur femme quand elles sont enceintes. Mmh. Quand vous nous draguez là, enfin elles, quand vous les draguez, vous êtes là, chérie, je t'aime. Je veux que tu sois ma femme. You want my tomato, je veux Joyce. Que tu sois la mère de mes enfants. Mais mère de mes enfants, je veux une enfant qui est en haut pour tomber. Yeah. Elle se couche à côté de toi qu'elle se réveille matin enceinte seule. C'est le souffle divin. Hein? Dès qu'elle est enceinte, tu disparais. Et il y a tellement de gens comme ça. Ah non, elle est trop ennui. Ah, elle est trop lourde. Elle est trop... Toi, tu n'étais pas lourd sur elle. Son nez est devenu lourd. Tu ne pesais pas. Yeah. Elle est compliquée. Elle me réveille à 4h du matin. Elle a de ses envies. C'est compliqué. Mais aussi compliqué que, comme tes phases compliquées que tu faisais sur la date. Ah. Il faut assumer. Il faut assumer. Ça m'exaspère, ce genre de comportement. Non, c'était un accident. Un accident. C'est-à-dire que tu étais là-bas et puis ton kiki a roulé sa collier. Ça n'a pas fait exprès. C'était Ramadan, hein, doucement. Non, il ne faut pas me provoquer. Non, tu ne devrais pas. Ça, ça me miche quand les hommes se comportent comme ça. Ça t'exaspère, non? Ça m'exaspère. Ça m'embisguane. Mmh. Il faut arrêter.